Donc cette nouvelle salle, c'est le quiz boxing. Il faut savoir que d'habitude, dans les escape games, vous avez l'habitude de coopérer, mais cette fois-ci, vous allez être les uns contre les autres dans une vraie arène de combat. Vous allez être, à travers différents rounds, vous combattre donc dans des quiz, des blind tests, et tout ça dans une arène vraiment survoltée. Alors en effet, c'est complètement autre chose. Le plus de la salle, c'est que la salle interagit complètement avec vos réponses. Donc, il va y avoir des bornes individuelles de combat. Elles vont changer de couleur. La salle change également de couleur, la sonorisation. Mais il faut également savoir que vous avez à votre disposition trois jokers qui vraiment sont un vrai plus durant cette salle, durant tout le combat, et qui vous permettent de mettre KO ou de récupérer les points d'autres combattants. Alors j'ai déjà fait tous les quiz possibles et imaginables parce que j'adore ça, donc je suis vraiment un bon client de ce genre de quiz. C'est vrai que quand j'ai vu que malheureusement quand on voit les scores et que les gens s'acharnent sur soi, j'ai fait comme un joueur de foot français à la Coupe du Monde, j'ai pris sur moi, je suis resté dans mon camp et j'ai vraiment attaqué en contre pour triompher au final d'un point, et donc une vraie victoire à la française. Après évidemment, il y a un classement, il y a eu un haut, un bas, mais on va soutenir tout le monde dans l'équipe et on sera très très fort collectivement dans cette épreuve. Mais sinon, c'est une très belle expérience. Et en plus, ça aide à rester humble. Écoute, oui, effectivement, quelques a priori, parce que je ne m'attendais pas à ça. J'avais des attentes par rapport à la salle, par rapport à ce qu'on allait découvrir. On découvre un jeu de quiz, c'est amusant, on se marre bien, on a quelques jokers pour un petit peu changer le cours de la partie. Du coup, bah, on a en plus, là, on a un match serré entre les deux premières places, fini à un point de Romaric, serré entre la 3 et la 4. Bon, après, la cinquième place, là, c'était un peu plus loin, mais bon, tu t'en remettras. Moi, comme Greg, j'avais un peu des a priori parce que j'aime bien les escape games parce que c'est de la coopération. Je ne suis pas du tout dans la compétition. Mais c'était chouette, une ambiance sympa, on a bien rigolé avec les copains. Et si vous êtes fan de Disney, ben, vous avez moyen de vous en sortir. Bah, j'ai trouvé ça très sympa, moi qui suis assez fan de quiz à la télé, par exemple. Bah, j'ai trouvé ça assez sympa, puis faire ça avec entre potes, c'est plutôt cool. Bah, surtout quand à la fin on arrive à détrôner ses collègues sur le dernier quiz. Bah, c'est vrai qu'avant de venir, j'avais pu voir la vidéo de présentation sur YouTube et du coup j'étais plutôt emballé, même si on a l'habitude des escape games avec la coopération. Et là, c'est vrai que c'était individuel. Alors moi, je suis très compétiteur, j'aime la gagne, donc forcément, je me suis un peu emballé. Ça faisait du bien. On se prête vraiment au jeu, hein, on est tout de suite dans le rythme et dans l'action. Alors forcément, quand je vois le classement à la fin, ça me fait mal. Mais comme le disait le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est parti.